bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues, et aujourd'hui je vais vous expliquer de manière très très simple comment construire une phrase en anglais. Alors je vais répondre à cette question parce que je suis persuadée que vous êtes déjà posé la question, bah, justement comment construire une phrase facilement, parce que c'est ça généralement qui bloque l'oral, c'est ça qui vous empêche de parler anglais avec fluidité, et c'est une question qui revient en permanence parmi mes élèves du marathon d'anglais. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, vous allez voir, très très simple, très courte sur le sujet, et je vais vous donner deux stratégies. La seconde sera beaucoup plus simple que la première d'ailleurs, pour débloquer votre oral grâce à cette construction de phrase. On se retrouve juste après le jingle. Alors juste avant de vous parler de ces deux stratégies très simples pour construire une phrase en anglais et débloquer votre oral, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, ici ou ici, à télécharger pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, la première stratégie, c'est plutôt une stratégie théorique. C'est pas le truc que je préfère et que j'enseigne pas forcément. Mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple que ce que vous avez l'habitude d'entendre à l'école, pour ne citer personne. En fait, quand vous construisez une phrase en anglais, il faut démarrer en se posant la question, en se disant qu'il y a trois types de phrases. Vous avez les phrases affirmatives, interrogatives et négatives. Et pour faire une phrase affirmative, c'est vraiment très simple, c'est comme en français, on a la chance que ce soit deux langues que l'on peut caler. Je m'explique, c'est que vous avez le modèle SVO. SVO, c'est quoi? C'est sujet, verbe, objet. Vous avez trois éléments, vous avez besoin de trois mots et votre phrase est faite. Ne cherchez pas plus loin, n'essayez pas de faire des phrases hyper chiadées alors que vous êtes encore bloqué à l'oral, que vous cherchez à débloquer votre oral. Faites aller à la simplicité et vous améliorer avec le temps en ayant plus de vocabulaire, et que vous aurez compris comment mettre en place la deuxième stratégie que je vais vous dévoiler. Ensuite, la deuxième chose, la difficulté généralement qu'on rencontre en tant que francophone, c'est le fait de construire une phrase interrogative, donc pour poser une question, ou une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette notion d'auxiliaire. Alors auxiliaire, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas en général, que je n'aimais pas non plus à l'école, parce que c'est un mot qui ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le traduire. Il a une fonction. Et la difficulté supplémentaire, c'est que en fait, on utilise des mots qui ont deux fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre « be » ou « do ». Ce sont des verbes qui veulent dire « être » ou « faire ». Sauf que quand vous les utilisez comme auxiliaires, ils perdent leur signification. Donc, on ne peut pas les traduire. Et c'est à ça qu'ils servent vraiment, c'est à construire vos phrases interrogatives ou négatives. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair. Par exemple, pour faire une phrase négative, comment vous allez la construire? Vous allez prendre le sujet, vous allez prendre votre auxiliaire, vous allez mettre une négation plus un verbe. Votre phrase est faite, trois éléments. Par exemple, I don't go. I, d'où c'est votre auxiliaire, vous mettez votre négation et vous rajoutez votre objet, votre verbe, la suite qui vient juste après votre auxiliaire. Et vous faites exactement la même chose avec votre phrase interrogative. C'est que là, en plus, vous allez décaler. Vous vous souvenez du modèle SVO pour la phrase affirmative. Là, pour la négative, vous allez démarrer avec l'auxiliaire. Auxiliaire, sujet, verbe, objet. Vous allez simplement décaler. Par exemple, does he want to do something? Does, vous allez mettre, c'est le do à la troisième personne. Vous le mettez en première position et en plus, et à la suite, sujet, verbe. Ça, c'est une phrase interrogative, voilà. C'est vraiment le modèle que vous devez garder en tête, que vous essayez de mémoriser, mais sans l'apprendre par cœur, parce que ça, encore une fois, le fait d'apprendre par cœur, ça va bloquer votre oral. Et vous allez peut-être me poser la question, sans doute, mais ouais, je veux bien, on a do et be, mais du coup, quand on utilise l'un ou l'autre? En fait, c'est très simple, c'est que le do, vous allez le retrouver dans la plupart des phrases. Donc, comment savoir quand on met be? Eh bien, il suffit de mettre votre phrase à l'affirmative. Si par exemple, vous avez I am here, je suis ici. Si vous voulez mettre ces phrases à l'interrogative, eh bien, il va falloir simplement inverser am I here. Vous inversez avec le sujet be. Donc, si vous n'avez pas be dans la phrase affirmative, c'est que c'est do. Voilà, vous partez avec ce modèle-là. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de passer sur la deuxième option, donc
la méthode suricate, comme j'aime l'appeler. Ça veut dire que vous allez vous mettre dans une position d'observation plus que d'essayer de mémoriser des règles théoriques qui vont venir embrouiller, vous embrouiller. Et lorsque vous allez passer à l'oral, ça va. Vous allez essayer d'avoir le schéma pile poil comme vous l'avez appris sans faire d'erreur. Et ça, ça va carrément vous bloquer quand vous allez passer à l'oral. Alors que si vous vous mettez en mode observation, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez regarder des vidéos en anglais et vous mettez les sous-titres en anglais, eh bien, regardez-les de manière active. C'est-à-dire que quand vous allez voir des structures de phrases, posez-vous les questions. Ah, là, ok, il y a une phrase, il a mis ça, 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 mais pourquoi c'est comme ça? Le fait de vous immerger et de vous poser des questions, de vous mettre en mode observation, vous allez voir des schémas qui vont se répéter. Et peu à peu, eh bien, vous allez intégrer cette structure et vous allez le ressortir beaucoup plus facilement de manière automatique plutôt que d'aller rechercher un truc que vous avez appris par cœur. Donc, le fait de compiler les deux stratégies pour aller débloquer votre oral et construire des phrases, eh bien, je peux vous assurer que ça va vous aider, mais carrément, à faire des phrases en anglais et peu à peu débloquer votre oral, parce que c'est quand même ça que l'on veut. On veut pas être des, on veut pas avoir des prix Nobel de l'écriture de mail en anglais et ne jamais passer à l'oral. Du moins, c'est ce que j'entends la plupart du temps, surtout quand j'ai mes élèves en appel de candidature avant qu'ils rentrent dans le programme marathon d'anglais. C'est toujours la même chose que j'entends et c'est là-dessus qu'on va travailler, d'aller débloquer l'oral le plus rapidement et le plus facilement possible, et bien pour acquérir un anglais fluide et bien vivre la vie que vous voulez grâce à l'anglais, que ce soit pour changer de travail, pour voyager, pour tout simplement acquérir la liberté que vous voulez atteindre. Et donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de personnes que ça pourrait aider en anglais, à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, me dire si vous connaissiez ou pas cette méthode du suricate. Et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao.